Bon les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi là, franchement, je vous dis la vérité, ça va nickel, mais vraiment nickel. Je sais pas, comme vous pouvez le voir, je suis pas trop sur la route, hein. Pour ceux qui nous suivent sur Insta, je pense qu'ils vont comprendre. Si vous ne nous suivez pas, bah go, hein, 3 Hikers les gars. On va s'abonner, on va follow. Et voilà. Donc maintenant, je vous montre pourquoi je suis là. Grâce à cette bête. Petit 350 FE de 2016 de chez Husqvarna. Franchement, là j'ai testé déjà un peu, c'est le feu, vraiment. C'est un autre monde, vraiment. Genre, je connaissais un petit peu, mais pas à ce point quoi. Genre, quand c'est ta moto, quand tu fais ce que tu veux, c'est magnifique en fait. Vous savez pas à quel point. Bah, en fait, faites ce que vous voulez quoi. Sans, bien évidemment, on fait attention. Aux habitations, aux riverains, on essaie de faire attention aux champs, tout ça, c'est normal. Mais en tout cas, voilà. Donc là, c'était juste pour vous dire que, eh ben, sur la chaîne, il y aura de l'enduro très prochainement. Voilà, donc petite annonce. Franchement, j'espère, on va. Oh là là, je sais pas, j'ai pas de mots. J'espère que vous allez kiffer. Parce que nous, je pense que là, on est pas prêt. Ah là là. Parce que là, avec ce genre de machine, ben, on va prendre le frein, on va pouvoir s'amuser. Oh là là. Oh, j'aurais pu monter. Oh non. C'est pas grave. Oh là là. Wouh! Ah là, j'espère vraiment que vous allez kiffer, genre ouais, ce genre de choses. En plus, bah, comme vous pouvez vous le douter, hein, c'est pas un biker, c'est pas deux bikers, c'est trois bikers. Donc vous doutez bien que. Wouh! Donc vous doutez bien que on va être trois à en avoir une. Pas forcément en même temps du coup. Pas forcément en même temps. Mais en tout cas. En tout cas, très prochainement, ça c'est sûr. Et ouais, franchement, j'espère que ça vous plaira. J'espère que là vous avez un bon angle de vue aussi. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous allez kiffer ou pas. Moi, en tout cas, je vous laisse avec la petite vidéo. Et bon visionnage, les gars. Allez, peace. J'ai cru que j'allais m'envoler les gars.
Ah bon bah les gars, première ça fait bizarre. Oh, je suis tombé de haut sa mère. Ça qui est bon les gars. Fallait bien une première à tout. Et franchement vous voyez, bah je suis tombé mais la tête de ma mère que je suis pas dégoûté. Parce que pourquoi? La moto est faite pour tomber. Donc on s'en bat les couilles. C'est juste un peu bizarre, c'est tout. Mais bon. Oh les gars. Wow. Ah, vous savez pas la sensation qu'on a. Oh là là. Eh les gars, si des fois un jour vous pouvez aller en faire. Mais vraiment, n'hésitez même pas. Ah. Allez, hop là. Ça, c'est la technique des faibles, les gars. J'assume, hein, ok. Ma première sortie avec. Donc, j'assume. Eh, vous voulez savoir quoi en plus? Vous savez quoi? Ah, j'ai le démarreur électrique. Je sais pas si là je vais pouvoir vous le faire parce que je suis en descente, ça. La merde. Attendez, je vais vous montrer ça là-haut. Démarreur électrique. Normalement, il n'y a pas de. Il n'y a pas de cric. Tu vois ce que je veux dire? Eh ben, si. Ah, par contre, c'est la D quand t'as pas l'habitude, hein. Wouh! Non, mais en tout cas, plus sérieusement, là, j'avais profité pour une petite pause. En même temps, là, je sais pas si vous allez voir quand je suis arrivé. Je sais pas si j'étais en train de filmer. Mais là, en fait, il y avait là les branches, mais genre, c'était le bordel. C'était genre impossible de passer parce qu'il y avait des branches en haut et tout. Bref, je pouvais pas passer. Là, les branches qu'il y a par terre, bon, normalement, je les passe. On verra bien. Mais là, normalement, je les passe easy. Ah, ça fait bizarre de conduire avec ça, les gars. Ah, je suis pas habitué hein. Eh, je passe de la 07 à ça. Voilà quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Wouh! Bon, la démarre comment les gars? Ah, cric, c'est stylé. Regardez ça. Démarre électrique plus le cric. Bon. Go essayer de passer ça. Après, rien de ouf hein, mais bon. Ah. Ah. Ça passe. Ok, anyway. Ok, ok. Ok, this one. Ah non, je patine. Ah le bâtard. Allez, voilà. Hop, faites tout sur yep. Allez.
c'est passé. Bon, après, ça passera plus. Comment dire? On passera plat. Voilà, je bafouille. On passera ça un peu plus aisément, si vous voyez ce que je veux dire. Là, c'est les débuts, les gars. Soyez indulgents, ok? En plus, je connais pas, donc. Franchement, les gars, le wheel, j'ai essayé, hein, c'est. C'est nimp. C'est n'importe quoi, le wheel, vraiment. C'est. En fait, faut que je redécouvre une moto, là. Je redécouvre le wheel et tout, c'est nimp, vraiment. J'ai l'impression d'avoir aucun level en wheel. J'ai l'impression de pas avoir le frein, j'ai l'impression de pas avoir le point d'équilibre. J'ai. En plus, avec les bottes, bah, ça facilite rien. Hop, on va. Je vais vous montrer. Non, franchement, laissez tomber. Je vais vous montrer ça. J'ai l'impression d'être perdu. Là pour moi j'étais au max. Alors qu'il y a masse place encore. Imaginez. Alors, on va essayer là. Après sur la terre c'est pas pareil. Vous savez très bien ce qui va se passer. On va apprendre ça. On va commencer à prendre du level. Wouh!